Ah, l'école. C'est fou le nombre de vidéos qu'on peut faire dessus. En tapant podcast sur l'école sur YouTube, on tombe sur... trop de résultats! Beaucoup trop. Moi, à l'école, j'ai toujours été accueilli différemment des autres. Courage, ça va aller. Jeune homme, la classe de 6ème, c'est par là. Oui, mais moi, je suis pas en 6ème, je suis en 4ème. Ah ouais? Quand même. Moi, quand j'étais à l'école, je ne comprenais pas les gens qui sont, comment dire, comme ça. Moi non plus, je ne comprenais pas. Mais si j'adore les fleurs. C'est normal, hein. Toi, tu comprends jamais rien. Pourtant, j'adore les couronnes de fleurs. Enfin, moi, je ne comprends pas les gens qui arrivent à l'école avec leur sac en mode beau gosse. Parce que chez moi, quand j'étais étudiant, ça donnait plutôt ça. Putain, c'est trop lourd, ce truc. Ça pire les pompettes. Dans certains collèges et lycées, il y a ce qu'on appelle le cahier de correspondance. Alors on veut bien, mais il y a quand même un truc qui nous dérange. Ça, c'est un cahier. Oui, ou alors ça, c'est un cahier, et même ça. Mais ça... ben quoi? C'est pas un cahier. Alors, voilà, je vous présente ça, le cahier de correspondance. Il faut toujours avoir dans son sac. Donc le cahier de correspondance est très lourd et il fait du coup mal au dos des élèves. Et moi, j'aime faire mal aux gens. Un truc qui est bien chiant aussi à l'école, c'est les putains de bâtards qui ouvraient ton sac. Non, c'est un truc bien ennuyant. Ça perd les pompettes de méchants. En gros, ça saoulait les gens qui faisaient ça. Plutôt comme une bouteille de Jack ou plutôt comme une bouteille de vodka? Tu m'épuises, mec. Ben oui, faut bien que je te fasse chier un petit peu de temps en temps. Ennuyé! Et dans une école, bien évidemment, il y a plusieurs sortes de profs. Il y en a, comme pour les élèves, des profs bizarres. Nous les mecs, à chaque rentrée, on espérait qu'une de nos profs ressemble à ça. Oui, regarde, il doit y avoir une image qui s'est affichée quelque part. Mais c'est très bien, mon ami. Et ça t'est arrivé souvent? Jamais! Tu vas faire quoi? Saviez-vous que la guerre 14-18 faisait s'affronter un grand nombre d'Allemands et de Français? Je m'en bats les couilles. Les testicules. Et aussi... thank you.
Wow. T'as dit quoi là? T'as dit quoi? Je vais te baiser, gamin, je vais te baiser! Attendez, pause! Mais bordel! Qu'est-ce qui a mal tourné chez toi? Il est pas censé être mort, lui! Ah oui, c'est vrai! Bye! Oui, à plus! Roméo et Juliette, nous avons vu de revenir! Monsieur, madame, enfin, je sais pas. Oui? Que pensez-vous de la psychologie interne que reflète ce couple improbable, forcément, du 11e siècle, écrit par William Shakespeare? De cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et surtout t'abonner pour être averti de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et donc, salut à tous, c'était Sergent Mickaël. Et bye tout le monde.